C'est qui sous ce masque? Oh, coucou Swan. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, et Robin, et Poppy? J'espère que vous allez bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Soigner les dents du singe. Ah bon, mais t'es devenu un dentiste? Oui. Wow. Et qu'est-ce qui lui arrive à ce pauvre singe alors? Il a des caries. Oh, oh là là, pauvre singe, il ne sait pas assez brosser les dents, ça doit être ça. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Je vais soigner ses dents. C'est parti? C'est parti! Allez hop, on ouvre la boîte du singe dentiste. C'est parti pour l'ouverture de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse boîte? Il y a ça, il y a peut-être du singe. Ah bah voilà, voilà notre ami le singe. Il y a une corde du singe. On va faire du montage, je crois. Une pâte à manger. Eh oui, voilà. Et la notice. Et là, qu'est-ce que c'est? Waouh! Ce sont les objets pour soigner les dents. Moi, quand j'entends un bruit comme ça, j'ai pas l'impression que tu vas me soigner. J'ai l'impression que tu vas me faire des trous dans les dents. Mais t'as raison, pour soigner les caries, il faut d'abord faire les trous. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un miroir. Ah oui, le petit miroir pour observer les dents du singe. Ici, nous avons donc le fameux singe. Oh, il a une bonne tête ce singe, non? Donc toi, t'es en train de préparer la fraise derrière le pauvre singe, si tu savais ce qu'il attend. Et effectivement, ce singe, pour l'instant, il n'a pas de dents. On avait déjà fait un dentiste comme ça en plaido, mais c'était un monsieur. Et cette fois-ci, c'est le singe. On va lui mettre des dents bien belles, bien jolies, mais ensuite, il va y avoir des caries et on rajoutera des plombages. Et dans la mallette qui accompagne monsieur le singe, il y a effectivement l'appareil tant aimé par Swan. C'est la fraise. C'est ce que Swan préfère apparemment. Ici, on a les petits moules pour réaliser les dents, justement. Et là, il y en a une aussi, d'ailleurs. On va pouvoir faire une dent avec ça, je pense. Ici, il y a donc le fameux petit miroir pour regarder les dents du singe de près. Là, on a un instrument. Un petit peu de torture, quand même. Hein. Et on a même une pince. Choc, 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 choc. Qu'est-ce que tu lui fais? C'est ce que tu préfères, toi. Faire des trous. Nous avons aussi bien sûr les pots de pâte à modeler. White. White, blanc, tout à fait. Yellow. Tout à fait, c'est le jaune. Là c'est black. Oui, c'est la couleur noire, c'est bien ça petit cœur. Et brown. Oui, c'est le marron. Tu es prêt docteur Swan? Oui. Qu'est-ce que tu vas lui faire en premier à ce singe? On va lui faire ses dents. Ah oui, bien sûr, il n'a pas de dents pour le moment. Allez, c'est parti. On va lui faire plein de jolies dents. Pour fabriquer les dents du singe, tu as besoin de la pâte à modeler de quelle couleur? Blanc. Tout à fait. Alors regarde, en fait, on a trois possibilités. Oui. Je pense que c'est ça, les fameuses dents qu'on peut mettre ici. Oui. Tu sais, ça, ce sont les molaires. Oui. Ici, je pense qu'on va peut-être avoir des canines. Et regarde, il y a même un trou déjà prévu pour la carie. Oui. Et là, ça doit être les incisives. Et fais voir celle que tu as. Incisive aussi, oui. Parce que regarde, on doit pouvoir la mettre ici, celle-ci. Ou alors, c'est une fausse dent. On lui met une fausse dent au singe aussi? Oui. Oui, pourquoi pas? Par contre, regarde bien. Attention. Oh, est-ce qu'il a des dents là-haut? Non. Oh. Allez, c'est parti, on lui fait les dents du haut aussi. Super, petit Swan dentiste. Il ne manque plus qu'une molaire, regarde. Et ensuite, sa dentition sera complète. Après, on va lui faire des caries. Le pauvre. On lui fait une super dentition et ensuite, on lui fait des caries. Swan, c'est le roi des molaires.
Il arrive super bien à les faire maintenant. Il a fait une belle molaire? Oui. Bravo petit cœur, super. Allez, hop, on enlève un petit bout de racine, un petit peu gros. Et hop là, on installe la dernière dent du singe. On dirait des dents de vampire ça. Oui, parce que les canines elles sont cassées. C'est pour ça qu'on dirait des dents de vampire. Voilà, est-ce que tout le monde voit bien les dents de notre singe? Hey. On met une fausse dent? Bah si tu veux. Bah, tu lui enlèves une dent ou tu lui mets une fausse? Attention, il risque de refermer ses dents sur toi. Non, c'est bon? Dans l'autre sens, ça c'est la racine, petit cœur. Et voilà, il a une fausse dent du coup. Pauvre singe, qu'on lui fait pas faire. Je vais mettre ma dent sous mon oreiller pour avoir une pièce offerte par la souris. Tu crois que la petite souris, elle va passer pour le singe? Oui. Oh, bah c'est une gentille petite souris quand même, hein. Est-ce que tu as déjà perdu une dent, toi? Jamais. Pas encore. Ah, comment tu sais qu'il y a la petite souris qui passe? C'est dans l'histoire de Mignon et la dent de haie. Ah, petit cœur, oui, c'est dans les livres, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas lui faire maintenant à ce pauvre petit singe? Tintin! Et attends, ses dents, elles sont parfaites, il n'a pas de caries. Pourquoi tu veux lui faire des trous? On va mettre un carré. Ah, on va d'abord lui faire des caries alors? Oui. Quelle couleur tu prends pour lui faire des caries? Noir. Le noir, ce sont les plombages. Alors, c'est marron. Le marron. Allez, on met le marron pour faire des caries. Oh là là! Voilà, le pauvre singe a des caries. Alors, Swann, le dentiste, intervient. Tu réussis à enlever la carie? Pom pom! Alors, c'est parti pour la fraise. Il reste encore un peu de carie, hein? Regarde, il faut vraiment enlever toute la partie marron. Et après, tu pourras mettre le plombage quand ce sera bien nettoyé. C'est comme chez le vrai dentiste. C'est bon comme ça, tu crois? Oui. Tu veux que je te prépare les plombages? D'accord. Bon, moi, je suis l'assistante du dentiste. Tu sais, quand on va chez le dentiste et qu'on se fait soigner une carie, c'est pareil, il y a une assistante. Oui, et elle prépare les plombages. Bah, souvent, elle prépare les plombages. Tiens, premier plombage. Et j'ai mis où? Bah, là où il y avait la carie. Là où tu as soigné. C'est à la place de la carie. Oui, c'est bon. Hop, un autre plombage. C'est soigné de ce côté-là? Oui. Mais le singe, il a encore mal. Ouille, 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 j'ai encore des caries, monsieur le dentiste. Où sont les caries? Ah, voilà. Une carie. Une oui. Carie. Bon. Mais c'est quoi ce dentiste qui travaille sans outils? Sinon, tu peux faire un trou si tu veux. Allez, on y va avec la fraise. On creuse, on creuse. On enlève tout le marron pour réparer cette pauvre dent. Le marron, c'est toute la partie où il y a les microbes. Il faut tout enlever pour que la dent soit bien saine. Et ensuite, on met le plombage pour protéger. Oh, il a perdu une dent. Mince. Il perd ses dents. Oh là là. Il va avoir des pièces. Allez, on met là pour la petite souris. La petite souris va passer pour lui amener encore une pièce. Il en a de la chance. Est-ce que tu penses que tu peux mettre le plombage maintenant? Ouais. Allez, on installe le plombage. Ouais, c'est bien. Une autre? Un autre à côté? Allez, un autre petit plombage. Le plombage fait la taille de la dent, là. Hein. C'est normal, c'était une énorme carie? Oui. Bon, bah dis donc, avec ça, hein, il est bien soigné, hein. Il a perdu une dent, hein. Tu veux pas qu'on lui fasse une fausse dent? Si. Alors, tu sais, on dit d'habitude que quand on met une fausse dent, elle est moins blanche que la vraie. Ou alors, on peut lui mettre une couronne. Les couronnes, c'est gris, normalement. Gris métal. Ah, mais on a... Ou comme les pirates. Tu sais, les pirates, des fois, ils ont une dent toute noire, là. Tu veux lui faire une dent de pirate? D'accord. Allez, hop, vas-y. Yeah. C'est bon? C'est la dent de pirate? On met ça? Oui, on cache le bleu, bien sûr. C'est bien? Ah oui, il a un vrai rire de pirate, maintenant. Dis donc. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ton singe? Du tartre. Du tartre jaune. Je ne crois pas que le dentiste enlève le tartre avec les doigts. Hein. La fraise. C'est parti pour la fraise. Je vais faire des trous, c'est ça? Bah, tu peux décoller le tartre. C'est comme ça qu'il fait le dentiste. C'est parti, c'est bon? Oui, c'est bon.
C'est bon. Waouh, il a des belles dents maintenant? Oui. Formidable. Maintenant, je vais toutes écraser. Qu'est-ce que tu veux lui faire? Je vais tout écraser. Oh là là, ça c'est le meilleur moment, c'est ça? Ah non, je vais faire mieux. Vas-y, montre-nous. Là, ça va être le pauvre singe. Oh, mais c'est quoi ce dentiste? C'est quoi ce dentiste? Oh non, tu lui enlèves les dents. Oh non, le pauvre, le pauvre. Oh là là, qu'est-ce que tu lui fais? En fait, t'en as assez de soigner des dents toute la journée, c'est ça? Oui. Tu prends ta revanche de dentiste? Oh là là, pauvre singe, pauvre singe. Tu fais des caries en haut? C'est des caries en haut. Bien sûr. Allez, on soigne la carie. Le pauvre, il a même plus de dents en bas. Et là, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a un truc bizarre là. Mais c'est une carie géante. Mais est-ce qu'il lui reste des dents? Bah oui, bien sûr. C'est quoi? C'est tout ce qui lui reste. Le pauvre. La pose dangereuse. Je sens qu'il va revenir au point de départ, ce pauvre singe, quand il n'avait aucune dent dans la bouche. Oh non, tu lui arraches les dents. Oh non. Le pauvre. Je ne suis pas certaine de recommander ton adresse comme dentiste quand même, hein. C'est pas sûr du tout, hein. Et là, il en est où? C'est un coup mon dieu. D'accord. Et voilà. Maintenant? Il n'y a plus rien! Le pauvre! Bon, d'accord, je suis gentille. Tu lui remets des dents? Allez, oh là là, je sens que ça va être un jeu à l'infini, ce dentiste-là. Allez, on est reparti pour lui remettre des dents. On recommence! Comment tu l'as trouvé, ce singe dentiste? C'était super! Tu te souviens que tu avais déjà fait un dentiste en pâte à modeler? Oui. C'est lequel le mieux alors? C'est le monsieur ou c'est le singe? Le singe. Pourquoi c'est mieux le singe? Parce que j'ai bouffé ses dents. D'accord, pauvre bête. Et toi, est-ce que t'es déjà allé chez le dentiste? Bien sûr. Ouais, c'est vrai, tu vas régulièrement. Et est-ce que tu as déjà eu une carie? Jamais. Non, pas pour le moment. Heureusement. Et Néo, il a déjà eu une carie, lui? Non. Non, jamais non plus. Vous avez de la chance, hein. Et heureusement, parce que imagine que le dentiste, il fasse comme toi avec le singe. T'aurais envie d'y aller? Non, bon, heureusement, il n'est pas comme ça, notre dentiste, hein. Il est plutôt gentil, heureusement. Tu fais des trous avec la fraise dans le pot de pâte à modeler. Oh là là. Apparemment, cette fraise, c'est ce qu'il y a de plus rigolo. Les copains et les copines, est-ce que vous êtes déjà allé chez le dentiste? Dites-nous dans les commentaires, pensez-vous en plus. Et surtout, abonnez-vous. À bientôt, les copains et les copines, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager. On vous fait plein de gros bisous. On vous aime. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye bye, dites plein de bisous. Monsieur le singe, ce n'est pas fini le dentiste. Ouais.